fonctionne ma chaudière à VMC gaz? Il est formellement interdit de toucher au panneau de la chaudière. Comment fonctionne mon thermostat? Tout réglage se fait à partir du thermostat. Pour tout réglage, rien de plus simple. Il vous suffit d'appuyer sur « Menu » et pour valider, appuyez sur « OK ». À l'aide des flèches « Haut » et « Bas » se trouvant à gauche et à droite du panneau, sélectionnez vos préférences. Pour sélectionner et valider, appuyez sur « OK ». Pour un retour en arrière, appuyez sur la flèche retour. Appuyez sur menu pour un retour rapide. Ne tentez pas d'éteindre votre thermostat. Il se positionne automatiquement en veille. Pour que l'écran s'allume, il suffit tout simplement d'appuyer sur l'une des commandes. Comment augmenter la température de votre logement? Il est important de savoir que la température de confort dans un logement est de 19 degrés et par la même occasion, vous ferez des économies. Pour régler la température de votre logement, rien de plus simple. Appuyez sur menu. Naviguez avec les flèches haut et bas. Appuyez sur OK pour sélectionner et valider. Comment régler la température de votre logement en fonction des jours? Appuyez sur menu, naviguez avec les flèches haut et bas se trouvant à gauche et à droite du thermostat et appuyez sur OK pour sélectionner et valider. Sur l'écran de votre chaudière, vous pourrez lire les informations suivantes. En haut, la pression de l'eau. À gauche, la température de l'eau chaude. Et à droite, la température des radiateurs de chauffage. La pression de l'eau dans votre circuit doit être entre 0,8 et 1,3 bar. Si la pression baisse, contactez votre gardien. Comment régler la température de l'eau chaude? Avant tout, il est important de savoir que la température idéale est de 60 degrés. Ne jamais descendre en dessous de 50 degrés. Pour régler la température de votre eau chaude, il suffit d'appuyer sur le menu, d'aller sur « Eau chaude », puis aller sur « Température », appuyez sur OK, montez la température à l'aide des flèches haut et bas et validez en appuyant sur OK. Comment régler la température de votre logement en mode hors gel ou longue absence? Appuyez sur menu, naviguez avec les flèches haut et bas, puis pour sélectionner et valider, appuyez sur OK.
symbole d'avertissement s'affiche sur l'écran du panneau de votre chaudière se trouvant dans votre cuisine, contactez votre gardien. Et pour terminer, il est important de laisser ouverts tous les robinets de vos radiateurs, hiver comme été.